Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo spéciale car on va être sur Hitman. Donc voilà, je vais un petit peu faire de Hitman car Hitman c'est un jeu cool. Par contre c'est un jeu qui dure un peu longtemps par rapport aux missions que je vais faire. Je pense que ça va durer une trentaine de minutes, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons deux cibles qu'on voit juste ici. Donc on a des méthodes au choix, on peut les tuer comme on veut. Il y a plein de façons de les tuer, au couteau, je sais pas, il y a plein de façons, vous verrez bien. Donc nous on va essayer avec des opportunités ou sinon on ira contre eux directement. Donc voilà, cible, il y a Victor Novikov et Dalia Margolis. Voilà, donc vous pouvez voir que du coup les deux cibles. Donc là j'ai pris un petit smoking, on aurait pu aussi prendre ça, voilà. Le petit crochet pour les portes qui seront verrouillées car il y en a plusieurs sur la map Paris, voilà. Donc lieu de départ, tapis rouge. Corde de piano, c'est pour les étrangler discrètement. Et le pistolet silencieux, voilà. Après j'ai ça et ça, mais bon c'est pas, c'est moins drôle, même si celui-là il est silencieux. Voilà, donc on va jouer, c'est parti. J'espère que ce style de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que vous verrez que Hitman ça change un petit peu de GTA. C'est aussi très bien de jouer un petit peu sur ce jeu, ça change un peu. Et puis vous allez voir que c'est quand même un très très bon jeu, hein. Vous allez pas vous ennuyer en regardant le gameplay, c'est pas ennuyant. Il y aura juste des moments où il y aura des blancs logiquement parce que je serai concentré, voilà. Donc je commence par la map Paris, il y a une dizaine de maps environ. J'avais acheté pardon, ce jeu il y a un petit moment, et pas loin de sa sortie, et puis il n'y avait que 4 maps, maintenant il doit en avoir 12 par là, voilà. Au début il n'y en avait que 4 et tous les mois il y en avait une nouvelle, voilà. Et puis là ça s'est arrêté depuis les vacances d'été dernière. Voilà, donc vous pouvez voir que j'arrive par le tapis rouge. Du coup il va falloir avoir nos cibles. Je vous montrerai un petit peu ce que je peux faire. En gros je peux monter au mur par des trucs de gouttière, plein de trucs comme ça. Je peux déverrouiller les portes et je peux aussi, le grand truc c'est que je peux me déguiser par exemple en caméraman, en qui je veux. Donc là on va direct faire les opportunités qu'on a. On va jouer en opportunité. Donc qu'est-ce que je pourrais bien faire, le bateau non, ouais lui voilà. Je vais me déguiser. En gros, je vais faire l'opportunité, comme vous l'avez vu, de cette personne. En fait, c'est une grande star, comme vous pouvez voir, qui me ressemble énormément. Puis avec son déguisement, voilà quoi. 15 secondes de gloire. Ouais, en gros, j'aurai 15 secondes de gloire parce que je vais me faire passer par lui. Bon, voilà, d'où le titre de l'opportunité quoi. Donc c'est parti, on va direct à notre opportunité. Par contre, là, on pourra se déguiser en qui on veut, en sécurité et tout ça, pour pas se faire remarquer. Mais quand on est déguisé en sécurité, il y en a qui reconnaissent leur pote et qui se disent, mais attends, lui, normalement, il travaille pas avec nous, donc pourquoi il est là? Donc ils vont se poser des questions et puis après, ils seront soupçonneux. Donc c'est de là qu'il faut faire très attention. Que faire? Donc là, il faut attendre un petit peu. Je sais, mais lui, c'est un dieu grec presque, tu vois. Franchement, je reviens qu'il soit là. Je reviens même pas qu'il soit là, au même endroit que nous. Attendez, vite l'opportunité, juste. Alors attendez, où est l'autre opportunité? Donc là, va falloir vraiment le tuer discrètement, se déguiser en lui. Ça va être assez chaud, mais bon, écoutez, c'est la seule façon d'y arriver. Est-ce que j'ai le droit d'être là? J'ai absolument pas le droit d'être là, donc je vais m'en aller parce que j'ai pas envie de me faire repérer d'un seul coup, là. Du coup, je vais ressortir par là. Alors, voyons voir où est-ce que je peux aller. Il faut que j'aille là-bas. Ça va être assez chaud parce que j'ai pas le droit d'aller là-bas, mais écoutez, il va falloir essayer de trouver une solution. On va se déguiser en cuisinier, je pense qu'on va aller dans la cuisine derrière et essayer de se déguiser en cuisinier. Là, personne peut nous reconnaître pour le moment, mais par contre, dès qu'on sera de l'autre côté, vous pouvez voir que tous les gens me reconnaissent. Voilà, donc derrière, est-ce qu'on a quelqu'un? Ouais, on a plusieurs personnes, on a même de la sécurité. Donc ça, c'est assez tendu. Voyons voir, je m'en vais. Faudrait que lui, il arrête de se poser des questions et que j'y retourne. Donc là, on pousse les gens, mais excusez-moi, c'est pas de ma faute. Lui c'est bon, il a arrêté de se poser des questions, le fameux type. Donc là on va passer par là. Vite je l'ai caché, apparemment je me suis pas trop fait repérer. À part lui qui se pose une question, donc je vais aussi me cacher dedans. Voilà, donc là on va attendre un petit peu, on va un petit peu discuter. Donc apprenez en plus de... Ouais, donc faut en apprendre plus du type. Et ensuite on va aller le tuer, voir où il va se déplacer. Et puis on va se déguiser en lui, on va faire comme si on était lui quoi. Donc là il y a la police qui s'inquiète, mais ils savent pas que moi j'ai fait quelque chose. Ouais, donc je reste à l'intérieur car moi je suis innocent.
Pour le moment, ça devrait bien se passer. Voilà, donc nous sommes à 5 minutes de vidéo. Je vous ai dit que la vidéo durerait longtemps. Mais ensuite, quand je serai déguisé, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, vous pouvez voir que les points rouges, c'est ceux que je dois tuer. Normalement, il y en a deux. Il y en a un au-dessus. Voilà, vous en avez un là-bas et un au-dessus. Donc là, il y a le garde. Il faut faire attention. De toute manière, personne ne sait que c'est moi. Là. Personne ne peut me repérer. Et quand vous verrez quelqu'un en face de moi, qui a un petit point blanc rond sur la tête, ça veut dire qu'en fait, il me connaît. Enfin, en gros, c'est pas qu'il me connaît, c'est qu'il connaît la personne à qui j'ai volé le déguisement. Et qui se dit pourquoi cette personne n'a plus le. Bah, c'est qui en fait? En gros, ils savent pas qui je suis et ils se posent des questions, ils doutent et après, je suis pas bien. Donc là, je suis sorti. Apparemment, je m'en sors plutôt bien. La sécurité, j'en aurais bien voulu en tuer un, mais bon. Comme ça, j'aurais été déguisé en sécurité, mais c'est pas très grave. Alors maintenant, il va falloir aller là-bas. C'est assez chaud, ça fait un petit moment que j'ai pas joué à Hitman, c'est assez stressant. Est-ce que j'ai le droit d'aller dehors? C'est une bonne question. Et donc là, en fait, je vais aller le tuer là-bas. Je vais le pousser dans la scène et récupérer son déguisement. Enfin voilà quoi. Et donc il est là. Faut pas rester trop près de lui. Faut rester assez caché. Et puis sinon, voilà quoi. Tac. Et je range mon arme. Puis j'ai un silencieux pour le tuer. Va avoir tué son garde et après lui. Sans se faire repérer ici par les gardes qui bougent. Voilà. Regardez comme il fait son beau. Et bientôt, ce sera moi, lui. Il y a quand même une petite ressemblance avec du maquillage. Coucou, toi. Mais n'importe quoi. En vrai, c'est comme ça, les stars, mais bon. L'hélicoptère, ouais, ça va, il est assez propre. Donc là, il va bouger, il va avoir son homme de sécurité, normalement, qui va le rattraper. Il doit être par là, ouais. Il a pas peur. Donc là, il va falloir le tuer dès qu'on pourra pour se déguiser en lui. Donc là, je me mets là et puis j'espère qu'il va y aller tout seul. Mais normalement, y a un gars de la sécurité qui le suit. Bah, logiquement, hein, les stars. Car dans le jeu, c'est quand même, c'est franchement quelqu'un de connu. Voilà, donc il est derrière. Donc va falloir que je tue absolument celui qui est derrière et il va falloir que je me déguise en lui. Et après, je les pousserai bah, par-dessus bord. Voilà. J'espère que lui il sera tourné. Comme ça, je me déguise en. Ah, donc ouais, lui, clairement, il reste là. Donc lui il va aller là-bas, il va passer un coup de fil, il va falloir que je sois assez rapide quand même parce qu'après il peut s'en aller. Et lui en fait faudrait que j'arrive à tuer lui, je me déguise en lui. Et comme ça après je reviens et lui il va croire bah, que c'est quand même moi et que je suis démaquillée, voilà, c'est tout simple. Alors attendez voir. Donc là, lui il rejoint, voilà. C'est ça, mais j'espère qu'il va se tourner vu qu'il appelle, normalement logiquement il se tourne et puis moi j'ai le temps de le tuer. Et puis sinon ce qu'on va faire au cas où, sauvegarder où on est. Ok, on va sauvegarder où on est, au cas où. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on peut recommencer, car j'ai pas envie de perdre. Comme ça, on va pas recommencer. C'est la deuxième fois que je recommence, parce que tout à l'heure, j'ai fait du gros n'importe quoi, vu que ça fait un moment que j'ai pas joué. Donc là, je vais pouvoir l'avoir facilement. Avec une corde de piano. Tac. Donc là vous avez vu que je me suis fait repérer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre sur pause, on va mettre chargé et on va revenir en arrière. Voilà, écoutez, ça c'est pas très grave. Donc on revient en arrière, écoutez, on a droit à une deuxième chance, même plus s'il faut. Et j'ai bien fait de sauvegarder parce que voilà, écoutez, quand on n'a pas joué depuis un petit moment, c'est normal qu'on arrive qu'on se rate, mais là non plus c'est pas non plus très grave, on va pas recommencer à chaque fois. Et puis je fais ça pour la vidéo surtout. Quand ça serait que moi, j'aurais pas refait cette course, j'aurais pas fait cette mission, j'en aurais fait d'autres les dernières, mais je fais ça pour la chaîne YouTube. Après, je ferai les autres plus tard. Voilà, on va faire un petit peu dans l'ordre, c'est à ça que je pensais. Donc lui, faudrait que je le tue. Mais écoutez, il y en a un autre là-bas, c'est ça que j'avais pas vu. C'est qu'il y a cet homme qui m'a vu quand je l'ai tué, qui a alerté. Ouais, ok. Donc c'est lui qu'il faut faire gaffe. Il va rester là? Comment je vais faire moi? Je sais plus comment tout à fait j'avais fait. Ok, donc là ils vont échanger. Voilà, donc maintenant je vais le jeter par-dessus bord.
voilà, donc j'appelle Dania pour lui donner un rendez-vous comme ça pour la tuer. Donc là, ils vont croire que c'est moi la star là. Regardez, la sécurité, il revient et puis voilà, c'est bon, j'ai géré. Écoutez, je m'en suis bien sorti, on est à 10 minutes, on est déguisé, et puis je vous ai bien expliqué le jeu, vous avez vu en gros à quoi ça consistait. Donc là déjà, je suis assez contente déjà du timing. Donc au deuxième, dans la suite volontaire, à côté de la salle, tu veux que je vienne maintenant ou... Non, il faut que tu défiles, c'est important, fais ton boulot ensuite en rejoignant-nous. Donc là, il va falloir que je défile. Donc il faut que je me maquille et ensuite je défile, car si je me maquille pas, ben, c'est pas bon pour moi. En vrai, la star, elle court jamais, hein. Enfin, des fois, mais très rarement. C'est un peu cramé. Donc là, je vais me faire chouchouter. Donc lui, il va falloir que je le tue après, mais écoutez, là, faut pas que je le tue maintenant, là. Je le tuerai pas avec ce personnage. Donc s'asseoir, et puis là, ils vont me maquiller. Alors, monsieur, je suis du coup monsieur Kruger. C'est pour une petite retouche, pas de problème. Et puis il y avait une suite, et puis je l'ai pas lu. Voilà. Donc là, il va me maquiller. Après, je vais être comme l'autre. Et puis ensuite, quand je changerai de perso, normalement, j'aurai plus le maquillage. Donc là, il me cache bien. Eh, quand même, le jeu est très très joli. Moi là, je trouve que c'est vraiment propre, hein, tout ce qu'ils font. Regardez, il m'a déjà maquillé. Voilà, mais c'est parfait, ça. Et voilà, vous êtes magnifique, monsieur Kruger. Là, il y a la cible là, qu'on voit, là, juste à côté de moi. Ah ouais, merci, et bonne chance pour le défilé, ouais, merci. Pourquoi bonne chance, bon courage? J'y arrive à chaque fois. Faites-le tuer. Ah, c'est bon, fais pas ta belle, là. Ah, le point rouge, là. Oh là là là, j'ai envie de le tuer. Donc là, je vais défiler. Faut que je passe par là. Et le voilà encore. C'est moi qui vais défiler, tu sais. Et après, il y a un autre truc, c'est qu'on peut monter là-haut, regardez. On peut monter là-haut et faire tomber tout ce vase pour tuer les cibles quand elles défilent. Lui, après, quand il défile, le gars en blanc, on peut faire tomber ce qu'il y a au-dessus. Là, c'est pas moi qui contrôle, je peux pas tourner, je peux juste avancer et m'arrêter. Voilà. Le gars, il défile et tout. Applaudissez-moi. C'est pour ça 15 secondes de gloire ou un truc comme ça, c'est ça, c'est d'où ce titre. Allez, ciao. Retrouvez ma petite copine. Donc là, la dame que je vais tuer, quoi. Faut que je passe par là. Ouais, monsieur Kruger, là, il me laisse passer. Bonjour, monsieur, bonjour. Même pas. Bon, faut que moi je peux monter où je veux avec celui-là. Je crois que je vais le garder après. Mais ouais, mais après, j'aurai sûrement une couverture grillée. Donc là, je vais en face, monter par les escaliers. Attendez. Vous avez été repéré par une caméra de sécurité? Ah, c'est stressant, ça. Ouais, bon, apparemment, ça devrait aller. Mais attendez, c'est par là-bas qu'il fallait que je monte. C'est moi qui me suis fail un peu. Bon, c'est pas très grave. Nous sommes à 14 minutes de vidéo. Voilà, je vous le dis. Hein. Même pas la peine d'appuyer sur le truc YouTube pour regarder. Là, appuyez avec votre doigt, je le fais pour vous. Alors, on va passer par... Ok, donc là, je suis clairement en train de galérer pour les escaliers, mais c'est bon, je l'ai trouvé. Bah, du coup, en gros, je peux monter vraiment jusqu'en haut avec ce personnage. Donc là, on va tuer la dame, et puis je vais... Après, je crois qu'il va dire... Il va dire de sortir le vigile. Alors, après, il va dire au vigile de sortir. Là, c'est parce que je suis pas encore là. Donc là, je vais rentrer dedans, et le vigile, il va sortir. Je vais la tuer, ensuite... Ouais, donc du coup, regardez, elle dit de sortir. Et il faut vraiment que je la tue discrètement. Prendre la boîte de... Donc là, clairement, il n'y a plus personne ici. Ah si, il fait quoi, lui? Ok, donc clairement, il rentre comme ça, en mode notre gêne. Hein. Ferme-moi ça. C'est bon.
On va la cacher. Avant que quelqu'un d'autre y rentre. Donc, première opportunité, c'est bon, c'est fait. C'est tout bon, c'est tout fait. Donc là, on va voir les autres opportunités qu'on a. Alors, déjà, nous avons tué la première cible qui était la femme. Maintenant, il va me rester lui. Alors, boisson mortelle. Vas-y, pourquoi pas faire une petite boisson mortelle. On va tenter, c'est pas sûr que j'y arrive. Donc là, écoutez, déjà, on va faire une petite... non, charger, non. Non, 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 non. Eh, vous imaginez, ça me charge comme je suis dégoûtée. Je me faille dans les boutons. Non, on peut pas sauvegarder tout de suite. Donc, tac, je vais retour. Et on peut pas encore sauvegarder. Je vais rester déguisé en lui. Hein. Non, je vais pas... Ah non, faut que je garde l'empoisonnement. Mais oui, je suis bête. Donc, elle est où mon opportunité? Ok, elle est en bas. Donc, c'est parti pour l'opportunité. Par contre, va falloir changer, va falloir être un serveur. Du coup, là, par contre, moi, au moins avec ce déguisement, je peux aller partout. Par contre, va falloir que je me calme parce que pour mon identité. Donc, voilà, va falloir aller dans les souterrains. Ou pas. Non, ou pas. Donc, là, je vais redescendre par ici. Ouais, donc ça, c'est pour faire tomber un lustre. Normalement, je sais pas tout à fait lequel, mais avec ça, on peut faire tomber un lustre. Voilà, écoutez, est-ce que c'est à cet étage? Ça m'a pas l'air d'être à cet étage. Hein. Ça m'a l'air d'être dans les souterrains quand même. Ouais, je crois que ça va être ça. Hein. Écoutez, on va aller voir. Par contre, monsieur Kruger en bas, c'est bizarre. Ok, donc c'était bien là. On va croiser quelques personnes. Donc du coup, ça, c'est le souterrain. Voilà, c'est bon à savoir. Faire le ménage, je crois que ça va pas trop me camoufler, moi. Alors écoutez, on va rentrer à l'intérieur. Il y a deux types. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Faut vite que je les cache, les gars. Là, pour le moment, je me débrouille très bien sur cette mission. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Je suis assez fier de moi. Donc, je n'ai jamais fait empoisonner. Enfin, j'ai jamais réussi, finalement, parce que j'avais pas le produit, je me rappelle. Donc, j'ai jamais vraiment réussi. Bon, par contre, il faut que je me déguise. Hein. Vous imaginez, j'ai le déguisement de Monsieur Kruger, ici. Une grande star. Ouais, personne ne le connaît, parce que c'est un peu faux, quoi. Attendez, je crois que j'ai raté mon opportunité, c'est pas possible. Échec de l'opportunité. Ah d'accord, fallait suivre. Ouais, donc c'est raté quoi. Échec de... Ouais, donc ça c'est normal. Quand il y a marqué échec de l'opportunité, en fait, c'est parce que j'ai déjà tué la cible. Opportunité terminée. Une brève interruption. Attendez, que je voir. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, donc on va prendre ça et on va se redéguiser en Monsieur Kruger. Donc en fait, j'ai tué ces deux cibles pour rien. Sinon oui, non, mais je me débrouille toujours assez bien, hein, je trouve, hein, c'est pas le problème. Du coup, attendez, nous allons non, mais je pense qu'en fait faire tomber tout le lustre, je sais pas si c'est très intéressant finalement. Donc attendez, voir les autres qu'on a. Non, d'accord, ça on peut pas. Ok, une réunion privée. Non, pas toujours des trucs dehors. Vas-y, au pire un caméraman, je suis chaud, hein. Allez, on va faire un petit peu caméraman. C'est parti. C'est parti pour une petite séance de caméraman. Donc là, il faut que je m'en aille vite parce que lui m'a repéré. Bon, ok, je suis passé dans son truc, mais... Ouais, en même temps, je passe dans la salle de sécurité. C'est pas très très logique, quoi. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans pour une star? C'est vrai que ça peut être bizarre, mais les gens soupçonnent pas une star qui ressemble à deux gouttes d'eau. Du coup, j'ai plus le maquillage, là. Mais les gens me prennent toujours pour la star dès que j'ai le déguisement, quoi. Donc il faut aller au niveau du caméraman qui est à l'intérieur, ok. Donc là va falloir que je fasse un petit détour. J'ai le droit de passer, monsieur. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Bah en fait je vais rechercher ma voiture, ma limousine. Bah par contre si c'est vraiment ma limousine, elle est un peu carrée quoi. Je finis ma vidéo. Du coup, là j'ouvre ça.
Donc va falloir rentrer dedans. Du coup, il faut s'occuper du caméraman. Voilà, opportunité proche. Donc là, en fait, faut pas la tuer, car tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai tué, puis j'ai raté l'opportunité. Malheureusement, donc il faut attendre. Voilà, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un objectif. Donc il faut un petit peu regarder ce qu'il y a écrit en dessous, les gens. Excusez-moi pour le bruit qu'il y a eu derrière. Mais oui, je vais faire cette vidéo là. Je veux la faire. Alors, nous attendons là en faisant style de rien. Voilà, on est posé, voilà, tranquillement. Ah, un petit tournevis, d'accord. Bon, par contre, maintenant il faut que je sorte. Ok, donc il faut savoir. Maintenant je sors. Ah oui, mais en fait c'est pour avoir les renseignements, tout simplement. C'est pas. Ouais. Bah, si je prends ça, par contre je vais être repéré. C'est un sort de. Ça fait aussi mal qu'un pied de biche, en gros. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je vois ce que c'est. Donc voilà. Voilà, donc là je retourne là-dedans. Un objectif de caméraman. Franchement, la mission, je pense qu'elle va être cool avec le caméraman. Ça peut être stylé. Donnez l'objectif à la blogueuse. Ah, ok, je vais lui parler. Défi réussi. Ah, mais oui, c'est merci infiniment. Combien est-ce que je vous dois? Je suis heureuse. Merci, monsieur, vous me sauvez la vie. Suivez la blogueuse jusqu'au lieu d'interview. Ok, je la suis. Ah, franchement, les caméras là, c'est stylé. Hein. C'est un peu comme ça, hein, à la télé et tout ça. Ce qu'on voit, c'est les reportages et tout ça, ça filme avec ça. Hein. J'ai pris les pièces de monnaie. Par contre, moi, sur moi, qu'est-ce que je vais garder? Pas le poison. Je commence à avoir un bon petit stuff. Je range ça et puis je la suis d'un peu de loin. Hein. Donc la vidéo va durer 30 minutes en gros. Voilà, voilà. La cape qui bouge et tout, tu sais. J'aurais été déguisé toute la mission avec ça. Non, moi, je vais passer par derrière parce que je parie qu'il va, il va se plaindre. Madame la caméraman, elle passe par où? Par là. Heureusement que j'ai le même déguisement parce que moi, je pourrais pas passer par là. Suivez la blogueuse jusqu'au lieu d'interview, ok. Ah, ok, après, je vais tous les tuer, quoi. Si c'est ça, et puis après, je vais vite partir. Au pire, si je me fais repérer à la fin pour le dernier kill, c'est pas un problème. Après, je m'en vais vite. Donc là, va falloir attendre un petit peu. J'espère que la vidéo vous plaît. Si vous avez regardé jusqu'à là, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres épisodes sur Hitman, sur d'autres maps, car il y a plein d'autres maps. Et puis même, je pourrais continuer sur cette map avec différentes choses. Mais si je refais une vidéo, ça sera sur une autre map. Voilà. Sinon, c'est pas très drôle. Moi, je passe. Voilà. Ah, ok, c'est bon pour l'interview. Donc là, tout se déroule comme merveille. Donc là, je marche tout. Faut que je marche tout doucement. Faut pas que je sois stressé. Marcher tout doucement, faut que j'aille doucement avec le joystick. Je marche pas très droit, mais c'est ça. Ça fait un peu bizarre quand même le mec qui suit. Vous la maîtrisez, mais je veux pas la maîtriser moi. Même que je vais éviter de la tuer, elle a été super gentille avec moi, elle m'a remercié, elle voulait me payer et tout. T'sais. Ah, c'est ce qu'il y a au début là qui filme, mais ouais. Où va-t-elle par contre hein? L'interview, tu te la fais où là? Bien joué 47, devrait pas tarder. Attirer comment? Ok, il arrive, mais qu'est-ce que je dois faire là? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite sauvegarder. Voilà, c'est bon, c'est sauvegardé. Donc là, la star arrive, mais en fait, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, l'opportunité est terminée, je le fais venir. Ok. Ah, objectif. Un objectif de caméra appartenant à la blogueuse mode l'INSEE de Locker et son... Ah, ok, l'équipement. Ah, ok, est-ce que ça va lui tirer dessus? Non, je pense pas que ça va faire un délire comme ça. Ça se trouve, ouais. En plus, je lui ai sauvé la vie. Toujours son homme de sécurité qui le suit, mais normal aussi, si c'est une star, c'est pareil.
Honte, la belle, elle est pas en point rouge, ça perd d'être une grosse star. Merci de m'accorder du temps. Vous m'imaginez. Eh bien, le journaliste a besoin de 109, mademoiselle. Ah, ok, il est. Ça revient et tout. Des nouvelles pour rivaliser Bon, ça se dépêche ou quoi? Et ouais, même stylé, hein. C'est réaliste, le gars là, il attend là avec ses mains. Pourquoi ça me met des. Eh, hey, mais fais pas la meuf, arrête, je lui ai donné un truc, j'ai été gentille, faut pas qu'elle fasse la méchante là. Bon, vas-y. Ah. Je vais les tuer si ils partent, parce que je sais pas comment je vais le tuer en fait, ça m'a pas vraiment été dit. Ok, l'opportunité, ok. Ouais, ok, bon vas-y, dépêche-toi, j'ai envie de le tuer là, sinon. Sinon il faut que je le tue et que je me barre en courant. Là. Sinon je le tue et je me barre en courant, c'est ça qui va se passer je crois. Hein. Bon, ça se dépêche là? C'est tout à fait ça, il est évidemment. Hitman. Quand même, le jeu il est propre. Hein. Vous pouvez voir, moi, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais il est toujours aussi propre. Hein. Comment dire? Le gars il bégaye. Enfin, moi aussi, hein, je bégaye dans mes vidéos, mais bon. J'ai envie de le tuer, mais j'ai peur de me faire avoir. Je sais pas si c'est l'objectif, ça va pas le tuer. Je sais pas, je me pose des questions cheloues. Si ça se trouve, c'est ça. Je profiterai, mais bon. Je vais devoir le tuer, je crois. Objectif illégal, erreur. Je me prépare juste. Hein. Bon, alors on se dépêche. Super, non, ça va être terminé. Voilà, attendez, est-ce qu'il va mourir? Apparemment, il n'est pas prêt de mourir. Saloperie du. Non, je suis mort, le dégoût. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Chargé. C'est pas un problème. Je suis mort, mais écoutez, c'était le risque à prendre. Du coup je retourne là et puis je vais le tuer et me barrer en courant, écoutez. C'est la seule solution. Donc là clairement il va falloir que j'essaye de le tuer mais de me barrer très très vite. Voilà, donc ça c'est un petit peu la mission que je me donne. Voilà voilà. Là il faut le tuer et vite se barrer. Ok. C'est chaud quand même, hein. C'est au taquet compliqué, j'ai pas choisi le meilleur truc d'interview et tout ça, c'était pas le meilleur truc à prendre en fait, franchement. J'ai bientôt fini. Voilà, donc là, va falloir le tuer et se barrer par là. Hein. Je vais essayer de tuer ces deux-là. Ok, je vais vite le tuer, reprendre le déguisement et normalement ça devrait aller. Non, je suis encore mort là, ça me saoule. Je réessaye une dernière.
sinon écoutez la mission. Je l'aurais raté. Ah mais franchement, c'était pas la meilleure solution de faire comme ça. Hein. C'était vraiment pas la meilleure des solutions. Ouais. Au pire, si ça marche pas, écoutez, mais ça sera exceptionnel. Je devrais faire la vidéo comme ça parce que là, ça fait plusieurs fois que j'essaye, ça, c'est assez compliqué quoi. Donc là, on va respawn. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire pour que ça fonctionne, mais bon, c'est assez compliqué quoi. Alors, je vais tuer les deux sites qu'il y a là-bas. Je vais tuer déjà ces deux personnes, comme ça après je peux vite me redéguiser. Je déplace le corps, comme ça après je me déguise en agent de sécurité. Ok. Ok, moi j'ai rien fait. D'accord. Je me tire en courant les gens. C'est bon, j'ai eu ma cible. Même si c'était pas propre, c'était pas le dernier kill, n'était pas joli à cause de l'opportunité. C'était quand même le but. C'est normalement, on a le droit de faire comme on a envie. Donc écoutez, c'est pas très grave. C'est, ça a été fait comme ça, ça a été fait. Et puis écoutez, c'était la seule solution. Donc là, il faut vite garde en alerte. Ok. Moi aussi, je suis en alerte. Non, de ouf. Il n'y a pas que les gardes. Hein. Donc là, je m'en vais. Là, je parle pas, je suis trop stressé, t'es fou. C'est compliqué comme truc. Là, dès que je peux, je... Là, je vais partir en hélicoptère, hein, histoire d'être un peu stylé. On va se barrer en hélico, c'est bon, recherché, mais c'est bon, on a fait nos affaires, nous. Nous on se barre en hélico les gens, en hélico, hélico. Et puis le temps. Alors j'espère que ça va être ouvert au moins ici. Oui c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai juste un truc à vous demander, c'est de m'en aller. J'ai quitté. Non, le big fail. Non. Oh non, je suis dégoûté les gens. Oh, je suis dégoûté. Attendez, ma télé qui va s'éteindre en plus. Voilà. Ma télé allait s'éteindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir respawn ici. Hein. Oh, la fin qui pue. Oh, j'ai fait une fin, ça pue hein, par contre. Hein. Elle était pas belle cette fin. Hein. Faut que je réessaye. Voilà, c'est vraiment la dernière fois, le dernier essai, à 35, faut que ça soit terminé. Trois fois que je me serais rattrapé à la fin. Mais non, en fait, normalement j'ai fini, c'est juste moi qui ai pas géré dans les touches. Je me suis embrouillé tout seul, en fait. On va refaire la même. Parce que voilà, j'ai envie de partir, mais de me dire que j'ai terminé. Et surtout que normalement j'ai des trucs à faire aujourd'hui, hein, mais bon, il faut que je tourne ma vidéo. Donc là, je me mets comme ça, boum, et là, zbib, 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 zbib.
me tire. J'ai pas envie de mourir cette fois. Ah ouais, là, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est bon, là, je m'en vais. Non, mais vous savez, c'est compliqué quand même. Niveau opportunité, surtout quand on est stressé par une vidéo, qu'on va absolument se dépêcher au plus vite, quoi. C'est assez chaud de rester calme. Et de gérer la vidéo. Donc là, il nous reste deux petites sorties. Mais je vais essayer de partir par l'hélicoptère sans me faire. Voilà, y a des, vous avez vu, il y a des gens partout qui me reconnaissent. Là, j'ai voulu tuer un gars pour changer de perso, mais bon, je pouvais pas, il y avait des gens qui regardaient. Enfin, c'est vraiment très très chaud. Hitman, ouais, c'est sûr que c'est très compliqué. Voilà, je crochète à mes risques et périls. Là, y a le gars derrière, il va me reconnaître. Là, ça va, je m'en sors. Il y a lui aussi qui va me reconnaître, là, lui, là. Il me la fera pas deux fois. Faut vite que je passe par le côté, là. C'est bon, ah j'ai réussi. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez une suite. Oh c'est beau quand même, cette fin est très jolie. Donc voilà, juste le dernier kill qui était pas très très beau. Mais bon voilà quoi, c'était 5 kills quand même, j'ai réussi ma mission. Donc voilà, j'ai dû recharger quand même plusieurs fois. Mais parce que recharger, bah, désolé, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue un peu d'Hitman de temps en temps. Et puis bah, je vous dis tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé si vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste on regarde cette petite miniature et puis on s'en va. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Aucune enquête sera ouverte sur sa mort. À votre tour. Very well. Très bien, voici les secrets. Mais lui, j'ai déjà tué en vrai. 5 years of work. Everything we've collected. Je vous laisse regarder pour la suite qui a Speranza. Même si je prononce bien. Voilà. The pen beats the sword, huh? C'est la petite femme. Voilà. C'est la petite femme. Petite femme. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll bon. Be remembered for. On va pas non plus attendre 10 ans là. Et voilà. Bon ben merci à tous du coup d'avoir regardé la vidéo. Allez vas-y, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez ciao les gens.